Président dominicain, qui c'est Luis Abinadel, prenant niche fourmi, peuple haïtien. Ancienne première dame de la République d'Haïti, qui c'est Madame Martine Moïse, foué bouche dans cause. À maman petite Marie Vente. PM Claude Joseph, jeune allié, jeune soutien, jeune acolyte, le cavalier Paul Calme, qui c'est exactement Madame Martine Moïse, peuple haïtien. Bataille ça, li pas facile pour Luis Abinadel. Nous comprenons que ou sous territoire ou la caillou, justement, ou a traqué des haïtiens. Mais effectivement, tout haïtien doit prendre responsabilité, quitter tout ça que tu as fait en Dominicani, filer manchette, prendre direction pays d'Haïti. La caille c'est la caille, pas passe la caille, peuple haïtien. Ancienne première dame de la République d'Haïti, qui c'est Madame Martine Moïse, s'est invitée spéciale dans un forum international. Un forum tête chargée qui titré Forum Montana, Grand Forum Montana, dans le pays là, Suisse, peuple haïtien. Je dis à la même, première dame, qui pour prendre la parole dans le pays là, Suisse. C'est gros cause, oui? Bureau communication, ancienne première dame, qui c'est Madame Martine Moïse, déjà sorti note. Côté que vous parlez de résolution. 26-53, c'est gros cause, oui, faut qu'il touche les oligarques corrompus, peuple haïtien. Pour nous, ça nous verrons, t'as coupé tête boulée, t'as pour nous libérer. Pas une autre possibilité, l'on en difficulté, la Dominique a tracolé, a déporté mal, comme si y a battu, y a. Comme si vous n'avez pas l'autre possibilité, c'est filer mon château pour une direction pays d'Haïti. Les gens qui ne font pas vivre Haïti pour marcher sur lui pour faire une solution ça avec problème ça définitivement. Parce que je dis, il y a chaque gun dans nous. Ou prenez le temps de causer dans l'émission ça, prenez responsabilité parce que qui choisit pour le parler. Je vous donne exactement 17 novembre 2022. Info Beto à l'appareil. En avance. Haïti Fonsum. C'est Kounia, criminel, assassin politique dans le pays d'Haïti qui a un problème. Eh bien, la bataille que les États-Unis d'Amérique ont menée contre les politiciens traditionnels dans le pays d'Haïti, li poko kanpe pe ayisyen. Les États-Unis d'Amérique exigeaient Ariel Henry pour que li retire depuis ce monde qui a 5 ans dans la diplomatie, surtout pour ça qu'il a kaili yo. Elle même bayon lis moun même qui dans diplomatie haïtienne nan aux États-Unis d'Amérique. Li mande pour Ariel Henry retirer tout moun sa rappeler yo voye l'autre moun parce que tête sa yo pas bon surtout pour moun que politicien que le sanctionné yo te mette dans diplomatie haïtienne nan. Est-ce que nous entendez bien? Ariel Henry gen problème. Après les États-Unis d'Amérique fin exiger Ariel Henry révoquer ministre justice là qui c'est Dorsey Berto qui dans drogue qu'il sanctionné qu'il retire visa qui comme qui dans trafic d'armes il te demande de le révoquer ministre intérieur là qui c'est Litkitel qui dans kidnapping parce que pas oublier Litkitel te kidnappé Zamil qui c'est pasteur Frère Michel pasteur Frère Michel il a un passeport américain ça veut dire qu'ils sont américains d'origine haïtienne et mais justement il était porté plainte dans FBI pour Litkitel. États-Unis d'Amérique qui noté. De CPJ te produit un rapport, il y a tout donné. Mais justement, les États-Unis d'Amérique exigeaient Ariel Henry pour que lui révoque tout M. Sayo dans le gouvernement. Là. Parce que M. Sayo, il n'a pas le droit de représenter le monde. Eh bien, peuple haïtien, je dis, je m'a dit honnêtement, Ariel Henry là, comme il y a un monde qui l'a soi-disant, pour ne citer non. Mais Ariel Henry n'est pas dirigeant rien dans le pays. Là. Sauf que les gens coalition d'assassins des idoles, les gens groupes volants qui sont dans l'État, il y a volo normalement, tout pour nous constater qu'il y a volo. Mais justement, c'est blanc qui a dit, mais tout ça pour faire dans le moment. Blanc a dit, mais tout ça pour faire dans le moment. Ça veut dire que Ariel Henry sont pour pétrole complètement. Alors c'est normal, parce que, me dis-nous ça clair. Lorsqu'il tout, il y a un président de la République qui était élu démocratiquement, qui t'a battu pour qu'il te fasse élection. Et blanc, tu as fait élection, il t'a supporté pour qu'il fasse élection. Et mais nous-mêmes, qui ne pas jamais fait élection. Nous ne voulons pas changer la constitution. Nous organisons, nous tuons le président. Mais justement, l'on vient prendre le pouvoir, ou même comme assassin blanc qu'on est évidemment, ou dans le complot pour détruire le président, de faire tout avec l'équipe. Il y a un plus bon allié, cavalier pour le corps, bras droit tout,
qui t'en d'un cas président même dans moment dans moment assassin a tout là il t'a cherché document pour porter baou document ampliation mais justement blanc les mêmes l'arrivé là blanc ou c'est meilleur monde pour lui qui pour aider le jeune tout ça qu'il besoin donc c'est mon qui pipe pas propre mais évidemment blanc vient ouais définitivement l'autre pays par exemple la Chine la Russie a constaté échec les États-Unis d'Amérique dans le pays d'Haïti. Eh bien, les États-Unis d'Amérique a observé qui gens que manifestation a fait dans le pays d'Haïti dans les derniers temps. Parce que vous avez les yeux cap haïtien, ancien sénateur Maurice Jean-Charles, mettez moun dans la rue. Moun sa yo avec drapeau la Russie sous dos yo. A demandé coopération la Russie. La Chine, voyez les États-Unis d'Amérique aller. Ils ont fait manifestation dans Port-au-Prince. Ils ont un drapeau la Russie sous dos. Ils ont petit recours en style drapeau la Russie. Ils ont débarqué dans le tabac. Ils ont demandé coopération la Russie. Nous n'avons pas besoin des États-Unis. Les États-Unis d'Amérique ont noté. Parce que, pas oublier, ils ont focus sur les médias en ligne. Là, nous parlons. Ils ont des gens qui attendent et traduit pour eux. Ils ont comprendre. Ça qui a passé. Qui revendication qui a passé dans la plateforme média en ligne, ça y okay, ici, ça va parler comme ça, qui que y a fait réseau sociaux à chauffer comme ça. Qui ça qui a parlé? Il faut focus sur lui. Et ça cause, l'offre de déclaration, il a noté pour vous. Il a analysé son dire, l'offre de information, il a suivi lui. Il a regardé si c'est menti ou pas, si c'est pas diversion en fait. Il comprend nous, quelque part. Justement, bon côté, il a mis un archive pour vous. Parce que tôt ou tard, déclaration que vous avez fait dans les médias en ligne. Il y a des conséquences et ça cause. Si vous n'avez pas pris comme si à assumer responsabilité ou dire que vous n'êtes pas propre ou pas capable de faire travail que vous avez fait là. Parce que tôt ou tard, il y a un stop. Parce que vous n'êtes pas continué. Parce que c'est mon de vous avez un bas ou mouillé ou tout la manche ou pas capable de continuer pour faire bataille ça. Et mais justement, papa ici, nous pouvons parler qui sont ensemble avant. Dans pile parole qui parlent dans la République, c'est des gros causes qui ont eu. Justement, vous pouvez attendre tout à l'heure. Et dans l'émission, ça, nous pouvons attendre. Plusieurs séquences, c'est des gros boutons d'information. Mais entre-temps, restez là. Docteur Claude Joseph, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien chargé d'affaires, ancien premier ministre dans le pays d'Haïti sous la présidence de Jovenel Moïse pour un petit bout de temps. C'est exactement sous PM Claude que assassin criminel qui est en politique. Assassin criminel qui dans l'église, assassin criminel qui dans secteur privé des affaires, assassin criminel qui dans tout secteur dans pays a, yo te jwenn yon accord côté que pour tout mettre tête ensemble pour prendre grande décision. Qui décision que lié? Décision que pour être assassiné 58 président d'Haïti a. Qui est le président Jovenel Moïse. Docteur Claude Joseph, notez, les suivent, les fait retrait. Dans un premier temps, il était peur, parce que c'est moun normalement. Mais quelque part, il y a une pile pression qui était faite pour que il te remette le pouvoir 13 jours après l'assassinat qui fait sous le président PIA, qui est le président Jovenel Moïse. Ça veut dire qu'exactement, 20 novembre 2022. Pas oublier Jovenel Moïse, assassiné 6-7 juillet 2021 alors. Et pardon, on a dit que Ariel Henry recevait, Claude Joseph remet Ariel Henry pouvoir le 20 juillet 2021, 13 jours après assassinat président Jovenel Moïse. Peuple haïtien. Écoutez bien. Jodi an là, il y a une situation qui a développé l'autre bord frontière noire, qui c'est la caille voisine nous, en République dominicaine. Côté que le président dominicain, qui c'est le président Luis Abinadel, qui c'est descendant libanais, il faut que nous clés sur ça. Côté évidemment, monsieur clés sur ça. Faut qu'il déporte tout haïtien qui vit sous territoire là.
Dans moins qu'une semaine, Luis Abinadel prend plus passer 3 décrets. Décrets contre haïtiens. Côté qu'il prend décret, li bay mandat avec des policiers l'armée dans pays ça pour quelque soit côté croisé avec haïtiens. Prend le marel, boue le machine. Après n'a compte s'il gagne document visa quelconque. Tout pas besoin qu'on ait. Sauf que marel traquel ou je ne sois machine privée. Il parle de l'activité personnelle, les citoyens, sous machine, prend le boue le machine, et puis pour machine, disparaître avec lui, sous motocyclette, prend motocyclette, nous vole, fait n'importe quoi ensemble avec elle. Et la preuve, il y a un pile de gens dominicains, ça a eu les petits volets qu'on a attraqué à moun, volé moun dans la rue. Nek ça a rentré dans l'immigration volontaire. Côté qui a eu droit, il y a eu un mandat pour fouiller quel que soit haïtien. Premier, ça qui a fait, il vole au téléphone. Deuxième, ça qui a fait, il fouille dans le boussou. Troisième, ça qui a fait, c'est que valise, il prend valise là. Ok? C'est une bagarre injuste. C'est une bagarre inacceptable pour les haïtiens. Moi-même, je dis, je bat un gros bravo pour Dr. Claude Joseph. Même Claude Joseph décide pour que ça arrête là. Parce que, dans la semaine qui se passe là, Nations Unies mandé tout pays qui a des immigrants haïtiens là pour qu'ils font camper sous déportation parce que la situation complètement dégénérée dans le pays d'Haïti. Eh bien, ce n'est pas logique. Après tout traité international qui signe, le pays est en crise pour nous voir immigrants comme si dans le pays. Et les immigrants ont quitté le pays pour l'insécurité que nous vivons dans le pays. Comme soit constaté ou même comme l'autre pays. Les États-Unis d'Amérique ou bien les Nations Unies demandé tout l'autre pays, y compris la République dominicaine, pour suspendre sous déportation. Le président Luis Abinadel, deux jours après, il prend la presse. Il fait déclaration. Il dit pas question de ça. Il prend responsabilité en tant que pays qui est indépendant. Il a continué et a intensifié la déportation contre les Haïtiens. Mais justement, lui pouvait et le camper derrière elle. Et lui joigne une quantité dominicaine, raciste, camper derrière elle dans ce qu'il a fait. Et pas oublier, Luis Abinadel, très faible politiquement. Mais c'est pas un pied à terre politiquement. En République dominicaine, il faut qu'on ait que pour rassurer que, pour assurer que, ou a gagné élection en Dominicanie, ou a gagné deux villes dans le pays ça. Pour gagner confiance que ville ça va dans deux plamé on qui ville que yoyé capitale république dominicaine qui c'est Santo Domingo capitale ça de pas gagner ou pas capable gagner élection présidentielle deuxième ville pays qui c'est Santiago de los Caballeros deux villes ça c'est deux villes clés que doit gagner dans main on qui vous mettre en confiance que bataille pour gagner élection n'est pas difficile pour vous. Mais justement Luis Abinadel perdu une ville ça yo qui c'est deuxième ville pays ça qui c'est Santiago de los Caballeros. Et mais justement papa haïtien réseau fait monsieur Pedil là c'est parce que magistrat Santiago hein, deuxième ville pays République dominicaine monsieur candidat à la présidence et monsieur sont racistes déclarés contre les haïtiens et pas raciste pour leur pays non raciste pour haïtiens monsieur Djou, publiquement il pas vle haïtien il pas besoin haïtien investi dans la ville de Santiago, bien que grand pile haïtien qui fait gros investissement, club, Airbnb, achetant pile appartement dans la ville ça, monsieur dit comme ça que haïtien pas besoin de construire dans la ville, il pas besoin haïtien. Monsieur montre publiquement, il très, comme si il a dit direct, véridique, il pas besoin haïtien, il pas deal avec haïtien. Mais monsieur joigne public Santiago, population Santiago, qui était très très raciste contre les haïtiens. Il a campé dans deux monsieur et il a en majorité. Luis Abinadel, pas jeune l'autre monde, pour une capitale politique pour lui, pour regarder comment il était capable de gagner public ça, qui c'est peuple qui vit Santiago, Dominique qui vit Santiago. Peuple haïtien, la politique a vu Marie 14, et qui est ce qui a subi, c'est les haïtiens. Nous prenons l'expliquer, évidemment, ça qui a passé. Et nous prenons deux démarches que. Docteur Claude Joseph entreprend dans un moment. Ancienne première dame de la République d'Haïti, qui c'est Madame Martine Moïse, est définitivement pral en déplacement. De fait, il est en déplacé, c'est une bataille pour nous.
Et côté qu'elle pral participer dans forum qui c'est grand forum Montana dans pays la Suisse. Madame Martine Moïse et secrétariat et pour madame là sorti notre là, il fait qu'on est que pour madame là et normalement en déplacement. Et nous pral parler ensemble avant, nous pral partager ça qui dit dans notre ça ensemble avant dans cadre d'émission ça. Justement peuple haïtien. Et encore une fois, mais tout d'abord, faut que nos salutations avec un peu de respect, toute estime, tout l'amour que m'gai pour nous. M'a dit nous bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui côté qui l'heure, ou attendez nous et ou regardez nous. Encore une fois, gens qui nous connaissent, c'est toujours un plaisir pour moi pour commencer ensemble avec nous. Et ça vous me fait du bien à chaque fois que me connaît. M'a venir partager moment ensemble avec nous et que me connaît nous va réagir exactement à travers commentaire. Alors, c'est là que nous va dire tout ça que nous pensons. Eh bien oui, tout ça que nous comprenons, de ça qui dit dans l'émission Panouan qui passait sur plateforme Panouan qui c'est plateforme YouTube Info bientôt parce que l'éclair que nous entendons, nous comprenons, nous apprécions travail là, c'est normal pour que nous gagnions une réaction quand même. Réaction Panouan par l'autre côté qui est capable de faire, c'est exactement dans l'espace commentaire là, côté où déjà toute famille, toutes amis déjà à commenter ensemble avec nous, à dire nous ça que vous pensez, à dire nous ça que vous comprenez justement ou même pardon, responsabilité pas, c'est faire en sorte que vous partagez l'émission et vous likez, vous montrez niveau d'appréciation que vous gagnez pour travailler ça. Justement, pendant que vous likez, eh bien, les peuples haïtiens sont capables de comprendre que, justement, la situation que nous vivons là et que nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires ensemble avec des Haïtiens. C'est très intéressant. Et pour même comme peuple, pour prendre responsabilité ça. Et c'est très intéressant. Écoutez bien, compatriotes nous, captant de nous, effectivement, sur la plateforme YouTube Info Bertoa. Papa Haïtien, je dis à nous exactement 17 novembre 2022. Il y a des informations qui circulent sur Internet là, alors qui est très viral, qui nous décide pour nous partager ensemble avec vous, je dis à la même. Et en plus, nous avons plein que les États-Unis d'Amérique, la France, le Canada, pas jamais banou bourade. Mais je dis là, les États-Unis d'Amérique commencent à traquer depuis ces ravettes des gens qui sont incompétents, qui ne sont pas propres, que Matéli. Te fouillé dans la diplomatie haïtienne. Que tout reste avec tout choule, tout pas sérieux, qui dans la politique te fouillé dans la diplomatie haïtienne. Eh bien, justement, peuple haïtien, depuis ce monde que Joseph Michel Matéli mette dans la diplomatie, les États-Unis d'Amérique m'ont dit à Ariel Henry pour qu'il rappelle tout le monde ça. Rapide, vite. Et il y a une liste pour les gens qui sont dans le pays. C'est pas grave, oui. Il y a une liste pour les gens qui sont dans le pays. Quand il y a exigé, Ariel Henry, pour qu'il rappelle tout le monde ça. Il y a des gens que Yuri te mette dans la diplomatie. Il y a des gens que Joseph Lambert te mette dans la diplomatie. Yon seri de moun ke Matéli te gonfle dans la diplomatie aux États-Unis d'Amérique. Yon seri de moun ki, comme si m'a dit, ti boubout yo, ti zami yo, ti fami yo, ti cousin yo, ti jeune garçon ki yo kanan kon ap fait tout zak malhonnête, bagay sodome gomon ensemble avec yo. Yon te prenne mette dans la diplomatie. Et bien, jounen jodi ya. Tout moun sa yo, yon ap tourne dans le pays d'Haïti, ou du moins si yon font choix, soit que pour yon rete l'autre bois illégal aux États-Unis d'Amérique, ou du moins pour continuer carrière diplomatique yo carrière professionnelle yo pour tourner dans le pays d'Haïti normalement. Mais m'a dit nous ça honnêtement depuis ces nèg avec femme qui connaît que c'est Yuri la tortue, c'est Rika Pierre, c'est Nenel Kassi, c'est André Michel, c'est Joseph Lambert, c'est Evalier Beauplan, c'est Moïse Jean-Charles, c'est tout équipe SDPA, Majorie Michel, Schiller Ludor, et Rosemila Petit Frère. Cette classe politique traditionnelle là, politicien traditionnel,
qui t'a fait violence dans le pays pendant 4 à 5 dernières années qui t'a mis dans la diplomatie, et mais justement, ou met fait un choix. De vous quitter les États-Unis d'Amérique, ou gen chance pour qu'on pas jamais pile le pays ça encore. Jusqu'à ce que la vérité, toute lumière faite dans quatre gros accusations que les États-Unis d'Amérique mettaient sous domicile ça, qui c'est politicien. Sénateur Lambert, sénateur Youri, Nenel Kassi, Majorie Michel Duncato, Julien Ledor, tout nèg qui était dans l'opposition avec Jovenel Moïse, qui t'a fait mouvement, financer gang, alimenter gang, craser briser dans le pays, mais je dis, tout le monde sa yo, doit connaître que depuis ce monde qui est allié, qui est proche, tout le monde sa yo, capable de subir même sort, de l'eau capable de mouiller le monde sa yo, en même temps tout. Ça veut dire que, je dis, tout haïtien qui connaît que vous êtes proche Lambert, faites attention. Si vous voyagez, si vous remettez aux États-Unis, si vous sentez qu'on va vivre là, ou son proche Lambert, son visa que vous avez gagné, prenez responsabilité. Je ne vais pas dire plus non, mais sauf que je vais prendre ensemble avec vous. Je crois que vous avez pile chance pour ne pas capter le sol les États-Unis d'Amérique encore peu haïtien. Il y a pile possibilité pour ne pas capter le sol les États-Unis d'Amérique encore. Parce que ça qui a parlé là, il n'y a pas petit même. Et je dis nous sincèrement, de ce ça yo yo pas piti. Et nan nous tande ti déclaration ça ensemble avec moi. Et parce que Américain pas jouer ensemble avec nous. Valérie Numa qui nous gan pile temps nous pas tande malheureusement qui caché sous Jovenel Moïse tout nèg té campé red red micro yo. Mais jounen jodi a tout nèg obligé rentre fou yon troumé tête yo. En nous tande Valérie Numa qui t'a et confirmer information ça pour nous. Entendez ça. Ça blanc a essayé faire la blap neutralise une série de monde. Ouais Ariel là inter. Machon là dit que il là pour faire élection, il là faire élection. Les Ariel a installé. Tout à l'heure désolé. Et Valérie Numa nous pouvons attendre ensemble avec nous. On a fait effort pour que les jeunes meilleurs soient. On essaye la cognac. Ça, on a essayé de faire la blap, neutraliser une série de monde. Ouais, Ariel, l'intervention, il dit que il là pour faire élection, il a fait élection. Là, il a installé dans le ministère. Il a dit fait élection honnête, crédible, libre et démocratique. Ok, il même c'est le monde, il a tête baissée pour aller. Ok? Il a fait ça. Mais entre temps, ça blanc fait, blanc PC et nettoyer l'espace là, blanc nettoyer la terre là. Et au moins, ton conseiller de monde là, par exemple, de pouvoir blanc citer non, on va garantir même chose que folie à le candidat, on va être blivé à ça. Mais dossier. Les États-Unis d'Amérique a fait un nettoyage sous scène politique haïtienne. Les États-Unis d'Amérique font nettoyage sous scène politique haïtienne. Côté que, depuis ces criminels, qui ces politiciens traditionnels, qui font politique sous violence, sous base violence, alimenter gang pour assassiner moun, pour capable de plus de territoire, pour gérer l'électorat, dans le moment élection, tout le monde sait. Que blanc mène bon genre enquête sur et que le mette sous liste comme monde qui finance gang comme monde qui dans gang nan, ou pas de chance pour jamais participer dans compétition électorale encore ou après t'es là comme criminel en dedans pays ou juste parler mon pas ka candidat pour pièce poste dans pays et ça cause you la tortue pas vivre santé côté m'a pas la voilà you la tortue commencer maigri en pile. Sénateur Joseph Lambert commence à maigrir et gagne pile diarrhée. Monsieur pas en forme du tout. Elle pas qu'à prendre avion pour aller dans l'autre pays. C'est Haïti qui obligé de rester dans Jacques Mel là pour que y a bon tité ou justement pour tendre la mort comme criminel. Papa ici, moi-même m'a bat un gros bravo pour les États-Unis d'Amérique qui bat bourrer ça. Parce que honnêtement, ça va te faire
dans le pays d'Haïti du tout. Moun nan la, l'ap touye moun, l'élection le plus puissant que jamais, c'est lui qui a alimenté gang, li nan kidnapping, même l'agent kidnapping ça, il va le financer la campagne électorale. Jodi Anel Kassimet fait tout ça qu'il a fait, li pap ka candidat. Yuri Met fait tout ça qu'il a fait, li pap ka candidat. Tout criminel qui figure sur liste ça, ou pap ka candidat. Et nous clair sur ça. Et on pral venir depuis ces nèg qui dans secteur privé criminel ça qui pral financer l'autre candidat pral veyo. Depuis ce candidat qui pral prendre l'argent. Dans mes criminels qui dans secteur privé, ou a gen problème dans l'élection. Blanc a mettre principe sur parce que définitivement blanc ouais c'est gang qui touye président et c'est assassin qui touye président, c'est nèg qui dans politique qui touye président Jovenel Moïse et ben blanc c'est nous t'a pas d'accuser, je dis la prendre responsabilité dans pays ça. Nous sommes occupation en douceur peuple haïtien. Nous sommes occupation en douceur. Et c'est ça qui m'a demandé blanc. Soit demande les gangs, demande les gangs à sa patrie définitivement qui kidnapper mon yo. Voyons task force, vin touye tout nèg dans village, tout nèg dans ravine, dans grand ravine, tout nèg cap kidnapper mon n'importe où Prince là. Touye tout et puis vient de aller ba nous payer pour qu'on vive dans pays nous. Tant pour ba nous service là. On nous continue tant de Valérie Nima qui t'a partagé information ça ensemble avec le public là. Entendez. Ça m'a fait le tout. Hein? Et du laver pure classe politique là. Et blanc tellement montre que il y a un pouvoir réel et sur ça qu'a fait yo. Nous jouons à un certain moment, il a fait de manière très diplomatique, nous jouons pas à ça encore même. De manière directe. Par exemple, blanc passe le gouvernement Ariel Henry à un lot là. Ok? Allez, oui. Au niveau de la diplomatie, et ça sont leçons diplomatiques que y a baillé l'équipe Ariel là. On ne peut pas de plus que 5 ans dans une ambassade, dans l'espace, comme si ce sont ambassadeurs ou bien 5. Blanc dit Ariel Henry. Ok? Dégagez-le pour que quel que soit le monde qui est en 5 ans, notamment sur le territoire, parle là, fait mon sortir. Donc, notre semaine, on va le temps d'essayer de monde qui est voué dans telle ambassade, monde qui est voué dans tel consulat, etc. Ça, c'est le premier bagage blanc exigé là. Deuxième bagage blanc exigé, blanc bagage on lisse. On sait de monde qui aux États-Unis, dans la diplomatie, ok? Ça n'a pas intéressé de combien de temps ou rien. Et demain, il y a un an et demi, il y a 2 ans, blanc dit, retirez-moi de la gagne. Retirez-moi. Ok? Et ils se connaissent, ces gens-là. Hein? Suivez mon regard. Justement, suivez mon regard. Toute équipe, et bon, moi même pas capable de dire mal de eux parce que c'est des diplomates haïtiens, malheureusement. C'est des gens qui sont incompétents tout parce que on capable de Haïti pas représenté sur le plan diplomatique. On capable de dire Haïti tape essayer frapper dans la diplomatie, c'était avec Claude Joseph, le ministre des Affaires étrangères, le déchargé d'affaires, la diplomatie haïtienne a bougé. Mais pour le moment, pas de bagarre comme ça du tout. Ça pas existé du tout. Et c'est assassin, c'est criminel, c'est voyou, c'est gang, c'est pas sérieux. Cap mettez moun, cap mettez ti fam yo, ti boubout yo dans diplomatie après aller cacher aux États-Unis d'Amérique. Mais je dis hein, depuis ces nèg qui à côté Matéli par exemple Stéphane dans qui consul dans Miami qui s'est proche Matéli, il a retiré Stéphane. Stéphane musicien suite Mickey. Ou pral yo pral révoquer ou y a pral appeler ou de fait yo obligé retirer dans diplomatie. Stéphane pas étudier diplomatie pièce côté parce que là avec Matéli mettel comme diplomate. Est-ce que nous comprenons? Stéphane pas étudier diplomatie, Matéli juste promis c'est comme musicien dans jazz li qui capable balle l'argent dans consulat mettel dans consulat dans Miami depuis ces monde qui dans qui dans diplomatie haïtienne là aux États-Unis d'Amérique. C'est Michel Joseph Matéli avec comment il est sénateur de la République criminel assassin qui n'a vendu qui mettait yo. Je dis à blanc décider pour bah en bourade. Moun sa ou pap ka arrêté dans diplomatie encore et de fait blanc a écarté yo définitivement. Ça veut dire que ça gagne là comme bagaille comme peuple haïtien, nous doit commencer filer pour crayon nous pour nous mêmes comme jeunes qui a souffri en Dominicanie. Pour dire tête nous, c'est le moment pour que nous rentrer dans la politique parce que blanc montre que li besoin de nouvelles têtes dans la classe politique haïtienne pour collaborer. Li besoin de monde qui propre, li gen 25 ans, 30 ans que la deal avec des kidnappeurs, des drug dealers, des criminels, des assassins qui dans politique comme des sénateurs, députés, magistrats,
leader politique ou bien avec monde qui gagne organisation droit monde blanc dit qu'il besoin de nouvelles têtes, il besoin l'autre monde, il besoin monde neuf. Et moi même cap tande m cap gade m là cap vivre dans diaspora haïtienne ou pas jamais te participer dans rien qui sale dans pays d'Haïti ou c'est monde ça ou c'est monde neuf là ou c'est nouvelle tête ça pardon ou c'est monde ça que blanc besoin pour parler ya et ou très compétent parce que je dis ya un pays besoin monde qui éclaire monde qui gagne vision monde cap marcher avec le temps pour diriger on qui gagne projet de société monde qui connaît ça le développement monde ça le comment monde vive mode là tant ça a besoin moun sa yo classe politique a pas gen moun sa yo pas éclairé c'est des moun qui égoïste à l'extrême c'est des moun qui gen la haine c'est des assassins criminels lavalas et qui paraît et qui comment il est Aristide moun sa gen trop temps dans politique pays a je dis à nous même comme haïtiens nous devons battre pour suspendre gen moun sa yo comme représentant de dans pays ça parce que si nous pas battre pour gagner Haïti pas jamais sauter dans ça qu'il trouver là parce que moun yo méchant yo criminel yo pas sérieux nous même comme des haïtiens faut que nous goumen pour que nous retirer ravet sa yo criminel sa yo assassin sa yo dans politique pays définitivement parce que moun sa yo pas sérieux yo pas honnête yo pas clean et faut que nous fait tout ça que nous connaît pour nous suspendre gagner ravet sa yo mais ça qui est important depuis ces gang qui dans politique qui était sénateur qui était député ou du monsieur ou était monsieur Matéli qui te met pour dans diplomatie a blamandé pour voir tout criminel tout le monde que criminel ça a été mis en diplomatie américaine non ou du moins diplomatie haïtienne aux États-Unis d'Amérique c'est pas ici frappe qui bail là non et pas petit frappe non pour blanc du comme ça que depuis c'est monde qui gagne 5 ans dans diplomatie a voit tout le monde ça retourner dans tout pays sur la terre tout le monde que Haïti gagne dans quel que soit pays sur planète ça qui gagne 5 ans dans diplomatie a blanc les États-Unis d'Amérique mandé Ariel Henry pour lui rappeler tout le monde ça voit l'autre monde son leçon diplomatique que lié leçon diplomatique que les États-Unis d'Amérique a bail Ariel Henry comment pas que d'avoir 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans dans diplomatie par exemple nèg ça qui ministre affaires étrangères là comment le général Islam dit comme c'est 7 ans en Espagne soit faut pas connait ou fin grand monde l'homme ou vient au plus sans honte ça prouve qu'on pas ta régler dans diplomatie son influence politique qui te mettre là je dis a pas gain influence politique. C'est ça, c'est compétence qui a parlé. Et blanc besoin des gens qui sont compétents, qui ont gardé dans les yeux pour parler ensemble avec elle. Depuis ces gangs, ces criminels qui allaient mater les gangs Galil, qui ont mis dans la diplomatie, je dis à vous retourner comme criminel. Haïtiens, nous cachons la chaîne pour nous gagner la liberté. C'est très important pour la chaîne ça te casser. Parce que la chaîne ça, depuis le pas de briser, justement, pas de possibilité, avec autant de facilité pour nous sortir de ce qui nous trouve là comme situation. Peuple haïtien, je dis à c'est nous tous qui vous mettez main. Parce que ça qui nous vivons là, comme douleur, les dieux en pile. Et m'a dit honnêtement, moi-même, ça que m'a gardé. Dans le dernier jour, ça, en Haïti, je ne sais pas quoi, un pays qui est plus crime que le pays d'Haïti dans le moment. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas un pays qui est plus crime que le pays d'Haïti dans le moment. Papa haïtien, ancienne première dame, non, qui c'est madame Martine Moïse, ancienne première dame de la République d'Haïti. Bio première dame, non, sorti une note. Côté que dit, madame Martine Moïse, ex première dame de la République d'Haïti, invitée au grand forum du Grand Montana Genève. Grand Montana et forum, et le forum Montana est une institution mondiale basée en Suisse qui organise des réflexions à travers des panels de haut niveau sur les défis inattendus de notre monde. Martine Moïse, ex-première dame de la République d'Haïti, qui a survécu à la tentative d'assassinat du 7 juillet 2021, est invité à se prononcer sur la situation en Haïti et proposer des pistes de solutions. Rappelons que 16 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse,
du président constitutionnel d'Haïti, Jovenel Moïse. La dégradation de l'environnement social, économique et politique s'est accéléré. Et le dossier d'Haïti fait rage dans les discussions géopolitiques aux Nations Unies, à l'OEA, la CARICOM et les grandes capitales. Les propositions d'intervention militaire étrangère refusées par les Haïtiens, le refus du secrétaire général des Nations Unies de nommer un tribunal spécial similaire à celui du premier ministre du Liban, Rafi Hariri, pour enquêter sur l'assassinat du président Moïse. Le choléra amené en Haïti par les soldats des Nations Unies, où 12 ans après les réparations des 10 500 familles victimes n'ont toujours pas été payées. Alors que l'épidémie continuait de causer des morts. Le refus de sanctions conformément à la résolution 2653, les oligarques haïtiens, maîtres des gangs, de la violence politique, du trafic des armes et de la corruption. La multiplication des accords pour légitimer le système politique haïtien est écarté. Le suffrage universel, ça veut dire que peuple pour peuple a voté, ça veut dire qu'on écarte la population. La violence des gangs et l'insécurité alimentaire qui frappe 4,6 millions haïtiens causés par un système d'apartheid économique contrôlé par les oligarques corrompus qui n'ont pas de ville là. Ça, c'est moi qui ajoute ça. La perception populaire que les Blancs sont responsables du chaos en Haïti sont autant d'éléments qui rendent la gestion de la situation difficile. Ok? Toujours notre langue à parler. Et est-ce qu'une capable jeune reste là? Et est-ce qu'une capable jeune reste là? C'est notre ça que équipe communication, première dame, nan, qui c'est madame Martine Moïse, sorti dans la date qui était 16 novembre 2022. Et nous faisons effort, nous avons supposé gagner lunettes, nous, pour que nous essayions de faire lecture ça ensemble avec vous. Et en fait, nous pas joindre, nous reste notre lan. En fait, en gros, c'est grand point ça yo qui dit et qui débat dans et note ça que équipe communication madame qui c'est bureau communication et ensemble madame qui madame Martine Moïse sorti et justement madame n'a pas participer à l'activité ça, il va parler de crise et cap fin avec société haïtienne là. Et multiplication des accords politiques qui financés par des oligarques corrompus qui se propriétaient système ça et même système ça a essayé pour régénérer tête li dans plusieurs bouts parce que bataille politique tire code à gauche et code à droite pendant ce temps blanc l'a éradiqué classe politique ça blanc a bambourade concrètement. OK, blanc a bambourade concrètement côté que l'a désapprouvé
la classe politique haïtienne comme des gangsters, comme des criminels, comme des drug dealers, comme des kidnappeurs. OK? Cap kidnapper population, même population qui a voté là, même population qui va mettre dans la rue. Je dis à faut que peuple haïtien connaît que André Michel pas capable voyager à l'États-Unis d'Amérique, ni Canada, ni la France, ni la République dominicaine bien quelqu'un bien en dominicaine parce que les États-Unis d'Amérique parce que pas passé gouvernement dominicain l'ordre pour qu'elle bloque depuis ces monde que yo couper visa yo. Il veut qu'on sorte, elle a public oui. OK? Nenel Kassi pas capable monter États-Unis d'Amérique. Major Michel pas capable monter États-Unis d'Amérique. De fait, faut que chaque haïtien, faut que chaque haïtien connaît que pendant la coupe visa ou même ou de filer manchette tout pour couper tête criminel assassin yo. Haïtien qui vivent sous territoire dominicain, m'a dit nous prend responsabilité nous, la caille c'est la caille, pas gain passer la caille c'est la caille, pas gain mieux passer la caille. Nous quitter en Haïti pour nous venir chercher la vie en République dominicaine, en pile dans nous qui travaille dans construction. En pile dans nous qui travaille dans champ en République dominicaine, mais pas oublier sorti de fin année 2020 pour arriver 2022, majorité haïtien qui quitte Port-au-Prince là, grand capital pays là. Ou du moins qui quitte Haïti, c'est des haïtiens qui viennent chercher un espace côté qui pour capable en sécurité. C'est pas haïtiens qui viennent chercher la vie. Haïtien ça yo, eh bien sorti année 2020 et gon calcul qui fait là oui. Yo faut connait que haïtien qui a investi en Dominicani, qui a acheté machine, qui a payé caille. L'argent qui rentre dans le transfert, il est évalué à plus passer 600 combien millions de dollars américains que Haïtien fait rentrer dans moins que 2 ans en Dominicanie. D'accord? Dans moins que 2 ans, il est plus passé 600 millions de dollars américains qui rentrent dans l'économie dominicaine. Comme ça, tu es capable de rentrer en Haïti, oui, mais ça doit être chargé. Et quand il y a des gens qui là tout, je m'a dit, Haïtien, Frenz Sonio qui vit aux États-Unis d'Amérique, la France, Canada, qui vient acheter caille en Dominicani, essayez d'organiser pour gagner toute possibilité pour passer par voie légale. Pour l'argent, on a un parcours qui est fiable, un parcours qui est transparent, un parcours qui est clair. Parce que la République dominicaine, il y a un pile dominicain qui est frustré. Et qui est au pouvoir, qui s'est allié Luis Abinadel, est très frustré par rapport avec l'investissement que Haïtien a fait dans le pays. Parce que tout naturellement, il n'y a pas de monde. Il y a pris la bataille là pour saisir tout le bien qu'on gagne. Et tout malheureux Haïtien qui vivent dans la province en Dominicane qui construit, qui passe mis à qui construit Kayo, il a crasé Kayo avec Bakolo de sans autorisation. Avec tout ça qui est là-dedans. Il y a des Haïtiens qui vivent en Dominicane depuis plus de 30 ans, qui font un grand monde. Qui construit un caille sur le territoire dominicain. Nous avons presque perdu rapport avec Haïti. Dans le moment où je parle de la nous avons perdu le caille. Nous avons crasé net qu'on est. Mais pour vous-même, comme Haïtien, qui sont du Canada, qui sont de la France, qui sont la Martinique, la Guadeloupe, la Bahamas, qui viennent acheter un caille en Dominicani, eh bien, vous pouvez répondre à plus de questions. Provenance d'argent, pas pour l'argent. Qui est-ce que tu payes taxes pour lui? Comment tu fais pour faire l'argent ça? Comme si ou pas le en pile question pour répondre. Dès que vous mal répondu, ou n'avez pas accès avec Kaiwa jusqu'à ce que vous éclaircissez ou du moins supporter réponse avec question que vous posez là. Mais là pas facile même. Il très pas facile pour haïtiens qui vivent en Dominicane. Et nous gagnons un compatriote haïtien. Pardon. Nous gagnons un compatriote haïtien qui se stand l'élica. Et qui comprennent politique, qui comprennent bataille géopolitique la fête là, politique internationale là, nous pouvons faire un petit temps de stand l'élica ensemble avec nous. Nous pouvons faire un petit temps de l'élica, mais entre temps, nous avons Mackenzie Victor qui nous a recevoir tout à l'heure. Et nous pouvons recevoir stand l'élica qui a participé dans l'émission, qui nous a pris le temps de stand l'élica ensemble avec nous pendant quelques minutes. C'est très intéressant. Nous pouvons faire un stand l'élica ensemble avec nous dans l'émission ça. Et c'est le moment pour nous tendre Stan Lucas. Mais avant que nous tendre Stan Lucas, il est important, oui, pour nous faire un coup de yeux, ou du moins pour nous faire un petit tendre, il y a un oligarque corrompu, qui est un privilégié, système ça, qui a toute franchise, qui a contrôlé le vent peuple haïtien, qui est le Renault Dib, qui t'a parlé. Monsieur le Président,
avec le président Jovenel Moïse. Moi, aller voir ça pour me faire nous tendre pour voir les oligarques corrompus gagnent sur le président de la République. Pouvoir, yon oligarque corrompu gagné sous peuple haïtien. Sous pouvoir, yon oligarque corrompu gagné sous politicien d'Haïti, comme si c'est lui qui met yo. Entendez, Renald Dib qui te voit un message à la président Jovenel Moïse, et que quelque part, si Jovenel Moïse te fait le plaisir, Jovenel Moïse tape tout en pile moun, Jovenel Moïse tape arrêté en pile moun, Jovenel Moïse tape d'elle, débarrasse pays à nos paquets de moun, parmi yo, les vob. En nous tendant ça ensemble avec vous. Monsieur le Président, je m'adresse spécifiquement, spécialement à toi. Jovenel Moïse, vous êtes président, non? Mais tu sais, tu peux être président et ne pas être un leader. Alors, il faut qu'on vienne un leader. Et pour un leader, comment ça vous fait? Il faut qu'on ait une colonne vertébrale, il faut qu'on ait une couille, il faut qu'on ait une graine. Tenez bien. À travers l'histoire de cette planète, il y a un seul monde que moi-même. Direle, Peter Leblanc. Tu vas gaber dans le pays, monsieur. Tu fais complot, puis au jeté le. Monsieur était en route vers Paris. Détourné. Les coupes de tête. Les guillotiner. Les pannes, les écartelés, les fusillés avec Bob Mepala. Je veux dire avant de nous dire bagay. Je ne connais pas si vous mêlez là avec le Caribéa de près ou de loin. Je ne connais pas qui soit préglé. Mais même moi, où. Pour commencer à juger Mounzaïo. Pour commencer à voir les jours en tant que garant des institutions, dans les choses de ce pays. Et le temps, pour faire tout le monde comprendre qu'il y a un président en Haïti. Ou même, bon, ils ont vu régler jusqu'à présent beaucoup rien. Alors il faut que tu fasses attention. Moun Pito Caribéo, moun kap vole courant de 150 millions de dollars par an. Moun kap vole ceci, kap vole cela. Moun kap mette poison dans du riz, la Tibonicho. Moun sa yo fok ou juge yo. Moun ki vole, sa ki fait peuple haïtien, juge yo. Et me garantis ou d'une chose. Nous-mêmes, nous avons la capacité pour nous soulever le pays. Pour nous faire une manifestation contre nous. Ou bien pour nous. Pendant 3 semaines, chaque jour. Alors faites très attention. Ou avle, ça va avle. Ou bien pour vous, ou bien contre vous. Mais il faut faire très attention, nous-mêmes, nous avons fait manifestation. Nous faisons manifestation. Il y a 7 vagabonds ici, 7 petites familles qui empêchent le pays à marcher, mais en bref, on arrive à 871. Il y a une barre ici. OK? Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Nous-mêmes, nous faisons une société de peuple à Gisson, nous prenons l'argent pour placer l'autre bord. Chaque week-end, nous avons l'autre bord. Parce que l'autre bord va vivre. C'est peut-être ça qui n'est que nous. Parlementaire a suivi à lâcher Kailot Bon. Regardez ça que lui veut dire que on a l'autre jour. Donc, le monsieur avec 700 000 dollars américains, il va lâcher Kailot Bon. Et puis, vous ne pouvez pas dire que ça. Ou même comme garant des institutions. Qui connaît pas faire confiance à même, si vous ne pouvez pas faire ça. Mon ami, il va me dire bien. Attendez bien. Ouais, comme ça. Il dit son peuple qui vagabond. Il dit son peuple qui est beau sale. Il n'est pas beau sale, non? Ouais, image qui passe là, quand on a pris toilette, mais sous tête, mais sous tête, parce qu'on n'a pas gagné la caillou. En République Dominicaine, avec 600 pesos, mon âge est rat pour mettre sous lui, puis il met des bails dans le pied, l'image est oui là-dedans. Il me met 600 gouttes de bagarre, non? Sous Jean-Claude Duvalier, mon ami, 2 gouttes, peut-être qu'on mange pour le pays, gros pour le pays, une, le dimanche. Et 50 centimes, peut-être qu'on fait une boîte pour envoyer l'école. Pourquoi elle n'est pas compagnie dans votre boulot? Nous allons être donnés gras dans nos conditions pareilles, monsieur. Maintenant, tu as la destinée de ce pays à tous les mains. Qui sont les réglés? Est-ce qu'on veut l'histoire son jour comme un idiot et un imbécile? Qui tue qui reste avec tes vagabonds ici? Syriens, Égyptiens, Arabio, ou bien comme le numéro 1 de pays? Qui sont vrais? Je voulais mettre des graines dans mon dos. Si vous voulez, la ville sous des fers là dans le bout. Mettez des graines dans mon dos, faut payer marché. Parce que pas de l'autre monde n'a pas pour. Si vous voulez pas faire ce que vous pouvez faire, c'est nous qui avons pour. Parce que nous sommes investis du pouvoir de cette mode. Pour nous mettre pour. Mais espérez que vous avez tiré le son de ce qui est passé.
Parce que nous déjà, son chance que nous avons. Nous avons une chance, alors pas gaspiller. En politique, pas gagner deux chances. Étudier Jean-Jacques Dessalines. Étudier Faustin Soulouk. Étudier François Duvalier. Chaque te dit des choses qui percutent. Monsieur le dit, peuple haïtien. Jean-Jacques Dessalines, le gars. 1er janvier, il a dit ça, 1804, Godaïve. Si pour une raison quelconque, les dieux qui président à votre destinée, relez-nous. Nous parlons en pile. Nous m'en gommons. Eh bien, ça veut dire que nous avons gagné. Destin au peuple ingrat. Nous avons destin au peuple ingrat. Pas vrai? Celui qui m'a dit comme ça, qui m'a pas en chemise, qu'on est capable de changer, enlever et remettre à volonté, il fait visiter vagabond. Et puis près de nous encore, François Duvalier, le grand, qui s'est dit. La révolution tue ses propres fils. Car en politique, toute reconnaissance est une lâcheté. Alors, bon, toi, le son. Apprenons. Et commencez à manger, vagabond, ouais. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Pas vite de rosser là. C'est vagabond, on va envie de manger pour mettre un pays sur rail. Où on va faire? Où on va manger? C'est aussi simple que ça. Ou bien on fait, ou bien on mange. C'est vagabond ou vous voulez manger là. Ou bien on mange vagabond, ou bien on mange. Ça c'était parole Joël Dib, les frères Dib, groupe Dib, dans le pays d'Haïti. Jovenel Moïse, pas manger vagabond non? Mais vous mangez Jovenel, oui? M'a dit bravo avec Joël Dib. Bravo. Peuple haïtien, nous allons parler Kishoy. Voilà. Nous sommes tendés Joël Dib qui t'a parlé. M'a dit avec Joël Dib que message ouan, il était passé. Et je me suis dit que tu fais message ça, c'était dans la deuxième année de mandat président, si je ne me trompe pas. Et que ou même ou te gen gros contrat dans l'état gros contrat ou te gen pile possibilité dans douane yo et que ou te besoin Jovenel Moïse touye Jean-Marie Vob touye Dimitri Vob pour ou mais Jovenel Moïse te gen konnen que gen pile conséquence k'ap vini c'est la assassiner moun et t'envi font bataille à moitié mais quelque part et tu as raison quelque part mais Jovenel Moïse pas de vle couler sang et ou prouvez arrogance ou prouvez que c'est nous-mêmes qui mettons le pays. Ou prouvez que c'est nous-mêmes qui avons le droit de vie ou de mort sur chaque grand monde dans le pays. Et ou prouvez que tout haïtien qui vit dans le pays d'Haïti, c'est chelou. C'est resté avec vous. Vous êtes avec vous. Ou prouvez que les politiciens dans le pays d'Haïti n'ont pas de conviction. Ça que ça vous dit, c'est parole pas ou. Décision que vous prenez, c'est décision pas ou. Ça fait le pays, c'est vous qui fait ou fait. Encore une fois, Renaud dit, mon cher. Je suis bravo pour vous. Et je dis, mais si nous avons courage en pile, nous avons cran en pile pour nous prendre pays. Et nous montons, nous, où est, dans la déclaration de Renaud Dib, où est son Joseph Félix Badjo qui a parlé dans la dernière voix qui est sorti dernièrement. On est extrêmement violent, qui parle en bêtise, un dictateur, un assassin qui parle. On est tout, qui était à côté de Jovenel Moïse, mais qui t'a défendu, ça l'a défendu. Qui t'a couru derrière tout l'autre monde, qui t'a fait forcer Jovenel Moïse tout le monde pour être capable de prendre plus de place. Renaud Dib nous comprend. Rendez-vous à Sansama Vau pour après-midi, pour l'émission. Tête chargée. Peuple haïtien, nous va faire plus de commentaires. En nous tendant ensemble avec Stanley Lucas, peuple haïtien. Intéressant. Combien nous apprenons avec Stanley, tu n'y vas pas. Je m'attends à lui. Donc, c'est pas un accident qui est au nom même. Donc si Ariel Henry a ministre qui l'a eu, qu'on ait eu une autorité constitutionnelle pour nommer un président Cour de cassation, question ou même comme auditeur de poser tête, qui objectif nomination ça a? Pour moi, nomination illégale, ça a trois objectifs. C'est protéger le crime économique qui fait dans le pays. Haïti n'est qu'à voler l'État depuis 16 mois. Nèg ki vole kòp Petro Karibe yo,
C'est tout le monde ça. Le juge là, son juge qui poche ma tête. Donc c'est pas un accident qui est au nom même. Et deuxième objectif là, à part de protéger le monde qui fait crime économique contre la nation, c'est protéger tout le monde qui tue le président Jovenel Moïse. Parce qu'on connaît l'ombagarité dans la cour de cassation. Depuis le film passé là, à aucun autre côté de c'est point final. Donc, troisième objectif là, c'est protéger le réseau criminel que Ariel Henry mettait dans le système judiciaire. Il ne faut pas oublier, depuis Ariel là, ce n'est pas la dernière nomination illégale qu'il fait. Il nomme 6 membres dans le CSPJ, une nomination qui était illégale, et il nomme tous 52 juges en 16 mois. Donc, réseau judiciaire corrompu pour protéger gang, pour protéger crime économique, pour protéger assassin président, il vient renforcer. Et c'est pour ça que le prochain président qui a sorti dans l'élection, il va l'obliger à annuler toute nomination et tout arrêter ça. Yo, parce que tout est illégal. Ok, maintenant, dans trois points que vous soulevez hein, sous question et nomination judiciaire, parce que nous connaissons que le cours de cassation, c'est une qui dernier recours. Hein, et nous voyons que gen cabinet Maisonneuve et qu'a fait on peut voir là pour capable aller dans question Berscope sous question et colombien yo est-ce que ça rentre dans le ça a différent ça lui même il fait partie de stratégie que Ariel Henry gagne depuis septembre 2021 ou songez en septembre 2021 il était fait une interview dans CNN côté l'idée qu'il a lâché soldats colombiens parce qu'ils sont innocents. Donc ça fait partie de stratégie Ariel Gain où on est impliqué dans tout le président. Première dame Matisse Moïse côté plein pour lui devant la justice comme monde qui est impliqué dans tout le président. Il évoqué ministre justice qui fait la guerre avec commissaire gouvernement Bedford Claude parce qu'il vient découvrir le lien qu'il a avec Mathieu Joseph dans coordonné assassinat président. Donc ça fait partie de la stratégie qu'il a parce que vous songez, et c'est pas seulement soldat colombien qu'il a dit qu'innocent sous CNN, il a dit tout Félix Mathieu Joseph pas qu'a fait crime ça sous Scoop FM avec Gary Pierre Bonchal. Alors que président colombien Ivan Duque recevoir rapport intelligence militaire pays li, li recevoir tout rapport direction intelligence nationale Colombie côté à travers groupe WhatsApp message groupe WhatsApp que soldat colombien t'a fait après pendant et après crime il était confirmé avec toute enquête qu'intelligence militaire Colombie et intelligence nationale Colombie fait que non seulement soldats ou tous les présidents, soldats colombiens ou tous les présidents, mais depuis on va quitter le pays, ils ont connu la maladie du président. Donc, toutes les cas viennent avec l'autre faux théorie, c'est les cas qui essaient de faire diversion pour nous pas avoir ça qu'on fait là. Mais, stratégie, cabinet Maisonneuve là-dedans, nous avons l'autre avocat, non seulement qui dit qu'il faut larguer soldats colombiens, mais il faut larguer tout policier qui est impliqué dans tous les présidents. Ça montre que y a une stratégie en tout le monde, ça y a. Pour l'aider et protéger les criminels qui touillent le 58e président pays à Jovenel Moïse. Ok, et on garde pour nous, parce que nous n'avons pas grand-pile de temps. Et quand les policiers ont arrêté, grâce à ce qu'on de lui là, c'est Pierre Joaquin. Il y a un petit Joaquin. Ok, en possession de lui, là, ensemble avec munitions, mais nous avons des gens qui ont lié ensemble avec le rapport lié ou avec la compagnie qui est ensemble avec le président Jovenel Moïse. C'est un bagaille. Les propagandes post-opérationnelles assassins. Tout étudiant en sciences politiques et étudiant qui étudie sécurité nationale connaît que l'on mène une opération clandestine pour aller touiller au monde, il y a 5 composantes là-dedans. Premier composante là, c'est personnel à corps pour mener l'opération. Deuxième composante là, c'est infiltration. Troisième composante là, c'est exfiltration. Et quatrième composante là, c'est propagande post-opérationnelle. Ça veut dire que propagande qu'on fait pour assassiner le caractère, le monde qu'on va le touiller. Et puis cinquième composante là, c'est propagande, alors, propagande pré-opérationnelle. Ça veut dire avant qu'on va le touiller, le monde, pour ça le caractère. Et puis dernière, c'est propagande post-opérationnelle. Inspecteur, c'est ça, c'est propagande post-opérationnelle. Par exemple,
Là, au fin tout, le président, juge de paix a 40 000 dollars la CAILI, mais pour pas gagner poste opérationnel là, donc on sait 40 millions de la CAILI. C'était pour ça le cadavre là. Après ça, il vient essayer de dire que Arson a fait drogue qui t'a prêté. Ça va réussir, tout le monde vient, ouais, motif tuer président et motif économique, c'est oligarque qui t'a volé dans l'État, président coupé par ça, c'est oligarque qui met ensemble à Matéli pour tuer président, pour faire économie. Après ça, il vient faire 4 ou 5 autres histoires. Ça, c'est la dernière histoire. Parce que vous avez remarqué que les assassins, ils n'ont pas fait pour mener l'opération dans le crime. Ils ont recruté le chauffeur président, ils ont recruté toute sécurité qui était derrière le président, qui vend le président. Donc, ça veut dire que comment on peut avoir des sécurités qui derrière le président, qui vend le président, ou on a mis les douleurs. Ça veut dire que les gens qui ont fait pour pas gagner poste opérationnel, ça n'est pas que les gens qui ont réfléchi dans le pays pour être diversion qui a fait. Donc, c'est même mon réseau qui touille le président, c'est eux-mêmes qui ont fait histoire ça, comme soi-disant photo inspecteur qui est président. Le président va là, n'est-ce pas tué. Tout les groupes qui n'ont pas propagande ça, ils ont impliqué de loin ou de près à crime. Ok. Bien, maintenant, on rentre dans la question de révocation ministre. Et nous voyons que les États-Unis ont fait pression là pour révoquer d'autres autres ministres encore, parmi eux, Ricard Pierre et Enol Joseph, ministre de la Défense. Bagay ça représente une menace sur le pays. Ça nous va rendre compte de l'hypothèque souveraineté nationale pays. Oui, il faut des sanctions internationales quand on sait de monde dans l'État pays. Mais sanctions internationales n'ont pas qu'à faire pour l'affaiblir l'État. Il faut nous faire très attention à la question ça. Et c'est pour ça, moi je pense que l'important pour nous faire des réflexions très avancées, nous connaissons que Blanc et les Nations Unies, il y a pas son résolution qui est la résolution 2653 pour sanctionner les gens qui ont la violence, trafic, zame et la triade dans le pays d'Haïti. Question fondamentale pour nous poser tête nous en Haïti, est-ce que Blanc, ça fait personnel qui l'a réglé? Ou bien Blanc, c'est de la BDPI à tout bon dans le combat de gang, dans le combat de violence, dans le combat de corruption? Nous faisons une analyse pour nous faire. Dans tout pays côté de la frappe, on prend par exemple la Russie, ok? Par rapport à l'Ukraine, les blancs frappés, nous avons gagné un nom, tout oligarque russe que blancs frappés, ils ont publié non yo. Ou t'es ouais image bateau bien que on est à l'étranger qui blancs saisi. Donc les blancs a frappé, blancs ont commencé à la tête. Question qu'on doit poser derrière tout. Depuis Blanc fin passé résolution 2653, pour qui ça tout oligarque qui est impliqué, parce que tout pas bon monde dans le pays qui par connaît que premier boss, premier maître gang dans le pays d'Haïti, c'est oligarque Pétionville. Clair. C'est eux maître politicien qui dans gang là, c'est eux maître gang qui à terre. Et nous avons des évidences vidéo des chefs gang qui ont parlé qui doit qui oligarque qui ont connecté. Nous avons un livre Zombie Falls là, que son blanc écrit, qui a travaillé pour les Nations Unies. Monsieur, c'était l'intelligence des Nations Unies. Monsieur, c'est tout oligarque qui est dans la gang et qui est dans la corruption et qui est dans la violence dans le pays. Donc, si ce n'est pas un bail raciste qui a réglé, blanc, il ne faut pas oublier que la politique étrangère blanc, leur étudier l'histoire des États-Unis, son politique qui s'est sous le racisme. Parce que George Washington te payé des plantes en Haïti pour te rétablir l'esclavage. Abraham Lincoln te fait même bagaille. C'est seul John Adams qui pas d'accord avec l'établissement de l'esclavage. Dans l'histoire politique étrangère des États-Unis, toujours gonger fond pour protéger oligarques, milates, criminels, Pétionville. Je vous dis, ça va passer comme ça encore. Donc je vous dis à question fondamentale que nous tous sommes nous pays d'Haïti doit demander qui est chargé d'affaires américaines à bail liste oligarque qui ont saisi bien yo en Haïti à l'étranger et qui est les États-Unis à remettre trésor public haïtien tout bien ça yo. Parce que pas qu'en fait tant qu'on était fait le sous duvalier. La Suisse fin prend comme nous, l'alpha ONG bidon cadeau cobla, nous pas jamais qui ça fait à cobla. Tout compte qui saisit, tout bien qui saisit, doit aller dans le trésor public haïtien. Donc, la question qu'on a demandé là, c'est qui blanc corrompu qui a protégé oligarque
pour faire qui fait que jusqu'à présent 15 ans avec oligarque Pétionville qui t'a doué en bas sanction, pourquoi en bas sanction? Lena a fait analyse ça, nous vinoué pour qui ça conseil de blanc corrompu et volé élite globaliste corrompu et volé yo qu'après se voit 10 50 10 60 10 80 millions chaque mois, c'est ça qui fait à protéger une série de oligarques à cause de accès qu'ils ont gagné dans le système politique américain. On garde les détails économiques, ça qui est important pour auditer, prendre plimon, prendre papier pour qu'après note, parce que la politique est d'abord économique. Pendant 16 mois, Ariel là, oligarque Pétionville yo transféré comme yo volé dans poche malheureux à pauvre dans pays d'Haïti à blanc qui fait partie des élites globalistes corrompues. En 16 mois, yo transféré 3 milliards 259 millions de dollars américains que yo prend dans poche comme malheureux. Kou li a bon détail comment yo prend comme ça dans poche et qui côté yo prend ni 3 milliards 259 millions de dollars américains, 20 plus 36 milliards de gouttes. Je n'ai même pas parlé de comme budget rectificatif 197 milliards de gouttes et l'autre budget 210 milliards de gouttes qui ont crasé. Pas rien qui fait avec l'ambéa, non, pour les détails. On garde les détails. Dans le gaz là, on a volé malheureux à malheureuse 90 millions de dollars américains par mois. En 16 mois, il y a 1 milliard 440 millions de dollars américains. Dans le blackout là, ça nous rend les courants. Comme l'État est volé et comme bouquet est volé, dans 16 mois, il permet de voler 450 millions de dollars aux oligarques avec blanc globaliste corrompu. Dans le dollar, il a volé, dans manipuler le taux de change, il a volé 36 milliards de gouttes. Et il a volé séparément tout 200 millions de dollars américains dans BRH, soi-disant, comme que BRH a mis sous marché pour stabiliser les gouttes, c'est dans le poche qui est allé. Dans la richesse, avait dit j'en paye diri, j'en paye farine, sucre, l'huile, magui, tout ça manger. Yo volé 700 millions de dollars américains en 16 mois dans poche ou dans la vie chère. Dans le kidnapping, yo ramassé 39 millions de dollars américains. Tout le monde connaît qui banque dans le pays blanchi 39 millions de dollars kidnapping. Dans le trafic ZAM, yo fait 430 millions de dollars américains. Trafic ZAM avait dit mitraillette, revolver, balle qui a rentré dans le pays, 430 millions de dollars américains. Au total, on transfère de 3 milliards 259 millions de dollars américains que Ariel fait par oligarque à travers le système là, je l'ai fonctionné là. J'ai fait le langage là, j'ai fait bon, c'est de l'autre domaine, pas même entrer là-dedans. Donc, est-ce que c'est pour raison ça Ariel qui fait que blanc yo pas sanctionné oligarque corrompu? C'est pour raison principale ça yo qui fait que blanc corrompu yo, blanc globaliste corrompu yo, qu'après c'est vous pendant yo chita Ottawa, pendant que yo chita Florida, New York, Washington, pendant yo chita Paris, Bruxelles ou bien Suisse, oligarque portugais ça boit ti comme yo ba yo chaque mois 10 50 10 60. On va oublier que grand pile blanc qui vient pauvre à cause de pandémie. Blanc yo besoin comme et c'est nommé pauvre à malheureux qui est pays d'Haïti qui a volé comme ça yo, avec complicité Ariel et gouvernement qui l'a. Oligarque qui a bien mené là. Blanc globaliste corrompu a bien mené. Donc, l'on dit qu'on va sanctionner ministre, et bon, on va sanctionner Tigan, on va sanctionner sénateur. Et puis 15 ans avec oligarque Pétionville qui met gang pays d'Haïti, met corruption, met violence, ou comment on va passer nous dans la bêtise. Et pour ça, prochaine question, pour charger d'affaires américains, c'est qui l'est à appliquer résolution 2653 à oligarque Pétionville et qui l'est à appliquer Magnitsky à oligarque Pétionville. Je vous fais ça après au sérieux. Mais là, c'est pas tes amis qui a réglé. Mais effectivement, c'est pas tes amis qui a réglé. Et définitivement, nous devons faire tout ça que nous connaissons pour faire une responsabilité. Parce que si chaque grenade se met tête ensemble sur que des actions qui ont posé, et des actions concrètes qui ont aidé nous dans ce que là pour le moment. Et nous pouvons faire place pour Mackenzie Victor qui va porter l'actualité pour nous, peuple haïtien. Et tout d'abord, nous saluons Mackenzie Victor, effectivement, qui va porter l'actualité pour nous. En avance. Voilà, merci en pile. C'était Mackenzie Victor qui est ensemble avec nous, qui a porté toute l'actualité pour nous, qui a dit nous exactement ce qui a passé dans le pays d'Haïti pour l'autre bord de l'eau, peuple haïtien. C'est très intéressant pour que nous entendions. Effectivement, Mackenzie Victor chaque jour, parce que Mackenzie Victor dans la rue, l'a porté toute cause pour vous dans bon team amite. Très intéressant. Mackenzie Victor, et c'est lui-même qui portait toute actualité à vous dans le pays d'Haïti, coule l'autre bord de l'eau.
et m'a dit nous Kebela Palagé et rendez-vous cassé exactement pour après-midi à la même pour l'autre émission qui va passer sur plateforme Panoa qui c'est plateforme YouTube Info Berto Pak Palagé Kebela Kebela Palagé Info Berto Zami Pano Allié nos Cavalier Volcano et ben qui toujours présent ensemble avec nous dans l'émission ça qui passe sur plateforme Panoa qui c'est plateforme YouTube Info Berto il est très intéressant Kebela Palagé Info Berto Allié nos petit garçon nous paysan pareil nous Kebela moi-même on appelle. Sans plaisir.